Bienvenue dans Roads to LMDE, un format de vidéo un petit peu particulier qui va me servir à vous parler de façon un petit peu plus libre de ce qui se passe dans ma fanfic et de comment je l'écris, toutes les étapes qui font partie de mon processus pour vous présenter, j'espère, le meilleur produit fini possible. Parce que je me disais que ça peut être un format intéressant pour vous si vous voulez connaître mon processus de création et vous inspirer des méthodes que je peux utiliser. Même si, personnellement, j'ai une façon très en détail d'écrire des histoires, ce qui fait que j'ai toujours énormément de préparation à faire avant d'écrire la dite histoire. La vidéo d'aujourd'hui n'est pas scriptée, aussi je vous demanderai d'excuser les soucis de prononciation ou de tournure de phrase un petit peu étrange. Ce n'est pas le genre de vidéo sur lequel je suis extrêmement à l'aise pour l'instant. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, nous allons parler du camp du clan du tonnerre. Car, dans la mémoire des étoiles, j'essaie de prendre toutes les choses qui n'ont pas été bien faites dans la guerre des clans et d'essayer en toute modestie de les faire à ma sauce et de les faire mieux. Et notamment moi j'ai une grande fascination pour tout ce qui est petits détails, création d'univers et d'ambiance, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Mais alors, dans la guerre des clans, s'il y a bien un truc absolument essentiel que je crois personne n'arrive à se figurer, c'est bien comment les camps sont construits. Parce que sérieusement, on nous dit tellement peu d'infos sur la construction du clan que même sur le wiki anglais, il n'y a juste pas assez pour pouvoir se figurer quoi que ce soit. Donc créer un camp, c'est franchement un challenge, surtout à partir du peu qu'on a. Et je tiens à préciser immédiatement que le camp du clan du tonnerre que je vais faire maintenant, c'est ma propre vision de ce que je voudrais avoir dans le camp du tonnerre. Car je sais très bien que si on lit tous les détails, le camp du clan du tonnerre ne ressemble absolument pas à ça. Sauf que je m'en fiche. L'important pour moi, c'est d'avoir un lieu qui soit fonctionnel et aussi intéressant, parce que c'est quand même l'endroit dans lequel vivent les personnages principaux quasiment tout le temps. Le camp du clan du tonnerre n'est pas un lieu qui devrait être éclipsé, c'est normalement un lieu qu'on devrait pouvoir se figurer. Et d'ailleurs, à mon avis, il devrait y avoir la carte de tous les camps, parce que déjà que celle des territoires est extrêmement médiocre, mais alors quand on sait même pas à quoi ressemble un camp, c'est quand même assez insupportable. Donc voilà, dites-vous, c'est une vision différente probablement de ce que vous vous imaginez, mais j'ai essayé de faire au mieux. Donc, pour commencer, il fallait définir qu'est-ce qu'on savait sur le clan du tonnerre. Et bien comme je disais, pas grand-chose. On sait qu'ils sont dans une carrière abandonnée, ce qui aide déjà bien pour la forme, mais en soi peut déjà être assez dur à se figurer qu'est-ce que c'est exactement. Ensuite, on sait que la pouponnière est sous un buisson de ronces le plus large et le plus touffu de tout le camp. Alors, le plus dense, je suis d'accord. Le plus large, il faut quand même qu'il se rappelle qu'il y a 30 guerriers à loger hein, dans le clan du tonnerre la plupart du temps. Donc pour moi, c'est pas logique que ce soit le buisson le plus large. Pour moi, le buisson le plus large, ça va être justement celui où il y a les guerriers, qui est un buisson sous lequel ils ont creusé pour avoir plus de place en fait. Mais à mon avis, c'est pas forcément le plus dense, donc le mieux protégé, mais c'est le plus grand buisson de tout le camp. Ensuite, on sait que les apprentis, le guérisseur et le chef se trouvent dans des petites grottes sur la falaise. Notamment le chef, c'est en dessous de ce qui est appelé High Ledge. J'ai aucune idée de ce que c'est en français, je crois que c'est la corniche, quelque chose comme ça. Je sais plus sincèrement, j'ai eu la flemme de vérifier. Et j'avais complètement oublié d'ailleurs que les apprentis étaient dans des cavernes, c'est dire à quel point le camp est un élément complètement mis en retrait dans les livres. Mais ouais, ils sont dans une caverne. Pour les anciens, c'est un peu flou. Je crois que j'ai vu plusieurs versions. Je les ai personnellement mis sous une caverne, mais je vais y revenir. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'il y a des pierres plates dans le camp qui leur servent à prendre le soleil, donc sur lequel ils sont la plupart du temps. Il y a un chemin qui permet de s'échapper du camp, mais qui est un petit peu difficile parce que ça demande de grimper des rochers derrière la tanière du ou de la guérisseuse. Une clairière pour aller faire ses besoins, qui là encore c'est très flou, c'est. Et un endroit où quelqu'un, un chat, fait le vigile. Mais là encore, je trouve pas ça logique parce que il est dit qu'il fait le vigile à l'intérieur du camp, cependant il a aussi une vision sur, l'entrée qui permet d'aller à la clairière où les chats font leurs besoins. Mais surtout, un truc qui est hyper important dans un camp, dans la guerre des clans, c'est qu'un camp n'a qu'une seule entrée et de cette entrée peut passer qu'un seul chat à la fois. Aussi, si le vigile est à l'intérieur, comment il peut voir les menaces au juste? C'est un truc que j'ai pas vraiment compris, donc j'ai décidé de le mettre ailleurs. J'ai deux endroits pour les vigiles, vous allez voir.
Maintenant, comme ça se passe 50 ans plus tard, faut aussi penser que j'ai apporté quelques modifications qui sont là purement dues au temps, donc des choses qui n'étaient absolument pas présentes. Notamment, vous pouvez voir par moment sur le speedpaint que je suis en train de faire qu'il y a une espèce de souche. Alors cette souche n'est pas un arbre coupé, cette souche est un arbre entier, sauf que si je fais l'arbre entier maintenant, je vais pas pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Donc ça permet de situer à peu près l'emplacement de cet arbre qu'il va y avoir. Maintenant pour le camp. Le premier truc qui a été essentiel pour moi de faire, c'est à peu près placer sommairement les éléments. Donc je vous affiche l'horrible schéma que j'ai fait au début, il est absolument magnifique. L'idée c'est que je voulais voir qui c'est que je mettais le plus proche de l'entrée et qui c'est que je mettais le plus loin. Au plus proche de l'entrée, j'ai décidé de mettre le chef, les guerriers, ensuite éloigné, on a les anciens, guérisseurs, la pouponnière et les apprentis aussi qui se retrouvaient en étant assez derrière, même si eux auraient pu être plus placés devant. Ensuite, j'ai cherché des images d'anciennes carrières de pierre, de mines abandonnées, pour voir à peu près à quoi ça ressemblait et essayer de me figurer assez précisément avec quel genre de pierre on pouvait travailler, quel genre de formation rocheuse. Aussi, j'ai fini par... je vous affiche toutes les images et j'ai fini par m'inspirer vraiment de ces deux images-là. Donc, des images d'ailleurs où il y avait de la flotte au fond, mais j'ai juste enlevé la flotte parce que je trouvais ça assez intéressant d'avoir cette espèce de dénivelé accessible et de vraiment pouvoir jouer sur les différentes strates. Donc comme vous voyez sur le dessin, j'ai décidé de placer la tanière des anciens, donc là cette espèce de d'amas rocheux en dessous de la première strate, et j'ai placé la tanière du guérisseur et la tanière des apprentis sur la strate au-dessus afin d'avoir quelque chose qui soit quand même un petit peu... Je sais pas, un petit peu féerique en fait, quelque chose qui donne envie d'être dans ce camp. Quant à la hauteur, je pense sincèrement que c'est suffisant pour qu'un apprenti puisse sauter d'une strate à l'autre sans avoir trop de problèmes. Voilà, c'est pas non plus si haut que ça. Et bien là, actuellement, il y a l'arbre que j'ai commencé à faire, que j'ai mis pour avoir à peu près vraiment la formation et puis la forme de l'arbre. Alors concernant l'arbre, c'est un chêne qui est hyper important dans la mémoire des étoiles, car il est considéré comme l'arbre guerrier. C'est un chêne donc avec des branches assez basses sur lesquelles on peut grimper et qui est couvert de griffures de partout, parce que dès qu'un guerrier accomplit quelque chose, notamment qu'un apprenti devient guerrier, qu'un guerrier devient ancien, ou qu'il y a des actions héroïques, eh bien, le chat va laisser une marque sur l'arbre, une griffure. Ça symbolise en fait la reconnaissance du clan et la mémoire qu'a le clan de toutes ses actions. Et aussi l'importance qu'ont chacun des chats dans le clan en fait. Donc cet arbre est extrêmement, extrêmement important dans le cadre de la mémoire des étoiles. De quoi je peux vous parler maintenant? Eh bien... Je peux vous parler rapidement déjà de la tanière d'apprentis. Alors, la tanière des apprentis est une petite caverne dans la roche que j'ai décidé de faire assez géométrique avec une entrée assez large parce que je me dis, eh ben les apprentis, ils ont quand même un endroit qui est assez accessible. Alors, ils disent généralement que c'est caché par des ronces. Alors, caché, je veux bien, mais faut quand même qu'on puisse rentrer dedans. Il y a plein de choses comme ça dans la guerre des clans où je comprends pas vraiment comment c'est fait à terme. Donc, j'ai mis vaguement des plantes devant, dans la version finale, mais ça reste quand même très accessible. Alors, c'est une caverne, je vous montre la photo qui m'a inspirée, mais c'est une caverne qui, globalement, a un dénivelé et s'enfonce vers l'intérieur. Ensuite... Je peux vous parler de la tanière des anciens. Donc la tanière des anciens, j'ai voulu jouer sur une formation rocheuse que je connais bien parce qu'il y en a près de chez moi, avec en fait cette grande roche qui vient se mettre au-dessus d'un creux, un creux qui est vraiment pas grand, hein, pas très haut surtout, mais qui est très profond et donc avec des murs assez larges. Je vous mets la première photo qui m'a inspirée. J'ai voulu mettre ça parce que déjà c'est une entrée qui est très large. Aussi je me disais pour les anciens c'est pas mal qu'ils aient un endroit qui soit extrêmement accessible dans le camp et qui les protège surtout des intempéries, qui les garde bien au sec en fait. Je me disais c'était complètement un endroit qui irait à ce genre de caractère, ce genre de rôle dans le clan. Donc, ils ont cette formation rocheuse là que je trouve aussi très intéressante et que j'ai vraiment vraiment envie de caser quelque part. Ensuite, du coup, la tanière du chef. Alors, la tanière du chef. J'aurais pu faire une corniche directement sur la falaise, mais je me suis dit que je voulais vraiment faire une formation rocheuse en pierre taillée, donc inspirée de cette photo là.
parce que, eh bien, les pierres taillées, je trouve que c'est un côté extrêmement carrière de pierre, car bien sûr, c'est pas le genre de pierre que l'on va trouver dans la vie de tous les jours. Et pareil, je voulais vraiment utiliser ces espèces de stries que l'on a des fois sur les pierres qui sont marquées. J'ai déjà vu plusieurs carrières de pierre, ça revient souvent. Je sais pas exactement pourquoi c'est fait. Je suis pas spécialiste en carrière de pierre. En tout cas, je voulais vraiment avoir cette espèce de formation qui soit assez massive de ce genre de pierre qui remonte. Et à l'intérieur, en fait, cette formation de pierre a fait qu'il y a un creux entre dans lequel peut se glisser le chef. Parce que donc, c'est pas une tanière qui est extrêmement grande. La tanière du chef, c'est quelque chose d'assez petit car il y a max deux chats qui rentrent, ou enfin qui dorment en tout cas, parce qu'il peut y avoir à mon avis quatre chats à l'intérieur, mais pas plus de deux qui dorment. La pouponnière a été assez simple à faire, hein, c'est juste un gros buisson avec des racines en bas. Le gros buisson apparemment, donc en dessous c'est de la terre aplatie. Mais donc oui, la pouponnière, j'ai pas forcément grand chose à dire, parce que pour le coup, j'ai juste suivi les indications, et j'ai l'impression que la pouponnière, c'était finalement là où on avait le plus d'indices. Pour les pierres plates en face de la tanière des anciens, j'ai encore choisi de prendre des pierres dont on sent qu'il y a eu une influence humaine, pour pouvoir vraiment donner cette impression d'ancienne carrière abandonnée. La tanière, quelque chose qui a été très compliqué à comprendre, c'est aussi comment le dénivelé fonctionne, parce qu'on n'a pas la même hauteur partout. Et ça a été assez dur à rendre. Bon, j'espère que ça passe. Après, je ne suis pas spécialiste de ce genre de dessin non plus. Donc là, ce que je suis en train de dessiner, c'est le premier endroit où les chats peuvent tenir la vigile. Alors, c'est à l'extérieur du camp, histoire de pouvoir voir les agressions quand elles arrivent. Et encore une fois, c'est un amas de pierres taillées. Je trouvais ça assez intéressant de les avoir. L'entrée du camp, c'est l'endroit où le buisson de ronces qui entoure une grosse partie du camp est le plus fin. Et d'ailleurs, c'est même pas vraiment un vrai buisson, parce qu'il y a pas mal de parties artificielles où les chats sont obligés de venir renforcer l'entrée avec d'autres parties de ronces. Au pied de l'arbre, j'ai fait un espèce de petit creux. Alors ce petit creux, c'est là où les chats vont poser leur proie. C'est juste en face de l'entrée du camp, et je trouvais ça très malin de l'avoir entre les racines, à l'ombre, dans un endroit qui finalement est le centre du camp. Alors, pour la clairière où les chats vont faire leurs besoins, donc je l'ai fait en plein milieu de l'espèce de gros massif de ronces qu'il y a, et j'ai mis des pierres à côté, car juste à côté de ça, il y a la tanière des guerriers. Et je me suis dit, ouais non, quand même, vaut mieux pas qu'il y ait les odeurs. Cependant, j'avais pas vraiment d'autre endroit où la mettre. Après, je crois qu'on est censé le mettre à l'extérieur du camp véritablement, sauf que pour moi, il faut aussi que ça puisse être accessible, parce qu'il y a plein d'apprentis qui se font la malle par là, donc il y a un coin qui est assez faible en fait, et qui permet de s'enfuir, mais d'ailleurs qui permet de s'enfuir à condition qu'on passe devant celui qui fait la vigile à l'extérieur du camp, donc c'est quand même un endroit qui est surveillé. Mais ouais, concernant les guerriers, il faut quand même qu'il y ait une petite protection pour bien montrer qu'il y a une séparation, car en fait le buisson est assez vaste et il y a une certaine distance. Maintenant, je suis en train de retravailler la tanière de la guérisseuse. Et c'est l'endroit qui est le plus difficile à se figurer. Alors, je vous montre une image de ce que j'ai voulu mettre. Voilà. En fait, la tanière de la guérisseuse, elle s'enfonce légèrement dans la roche et puis après, elle commence à descendre. Ce qui fait que c'est un endroit qui est réellement caché, déjà par les pierres qui sont au-dessus, mais ensuite par toute la végétation qui est autour. C'est un espace qui est assez restreint et qui va s'ouvrir après en une caverne beaucoup plus grande et beaucoup plus spacieuse, avec une petite source à la fin. Donc, qui est un endroit qui est finalement assez bien pour une tanière de guérisseur, cachée mais quand même accessible, parce qu'il faut pas non plus trop marcher, même s'il y a déjà ce petit dénivelé. À côté, encore plus dur à figurer, il y a l'espèce de chemin qui permet de remonter. Alors je vous montre encore une fois de quoi je me suis inspirée. Voilà, je me suis inspirée de ce dénivelé-là. Donc là, je pouvais pas vraiment le représenter parce qu'en plus, c'était sur le côté. Dites-vous qu'il est un petit peu plus fin, mais c'est à peu près le même genre. C'est comme s'il y avait eu un espèce d'éboulement dans la falaise et qu'il y avait pas mal de végétation qui avait poussé autour, qui permet d'avoir un accès à cet endroit-là. Alors, dans la guerre des clans, je pense que c'est beaucoup plus caché que ça, notamment grâce à la végétation.
ou alors que c'est un endroit qui implique plus d'escalade, mais dans la mémoire des étoiles, c'est un endroit qui de toute façon est totalement connu et utilisé, notamment pour des exercices d'évacuation du camp, dont vous entendrez parler, car pour moi le clan du tonnerre est un des rares clans à faire des exercices d'évacuation du camp, notamment parce qu'ils sont dans un endroit qui est très difficile d'accès, et c'est aussi bien pour les ennemis, mais ça peut être très problématique quand on a des éboulements, des inondations ou des incendies. Donc eux, ils ont des exercices d'évacuation, et ils utilisent complètement ce chemin-là. Alors c'est un chemin qui n'est pas normalement censé être utilisé, temps normal, mais en temps de crise, c'est un chemin connu, et qui est voilà complètement accessible. Enfin, donc pour terminer, la tanière des guerriers est à l'intérieur du gros buisson, comme je le disais, j'ai pas vraiment dessiné, mais il y a vraiment un endroit qui est possible d'accès pour ces chats. Ça fait vraiment un espace qui est assez conséquent, parce que désolé, le clan du tonnerre, ils ont à chaque fois genre 30 guerriers à mettre quelque part. C'est pas la pouponnière le plus gros buisson. Enfin voilà. Et c'est ce qui conclut notre tour du camp du clan du tonnerre. J'espère que ça vous plaira, après je mettrai plus d'informations sur le wiki, notamment pour chacune des cavernes spécifiques, avec les plans précis et tout ça. Mais en attendant, pour le camp du clan du tonnerre, ce sera tout, et j'espère que ça vous plaira. Et que comme ça, on arrivera tous à se figurer comment est le camp du clan du tonnerre dans la mémoire des étoiles. Voilà, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la prochaine. Thank you.